J'adore. Moi aussi, mais j'ai chaud. On aurait dû aller à la piscine avec tes parents. Oui, mais toi, tu voulais jouer aux cartes. Ben oui, parce que je gagnais. Mais maintenant, on peut aller les retrouver. Et tes parents? Attends, tu vas voir. Dis papa, dis maman, il fait chaud et Thomas et moi, on aimerait bien aller nager. Oh, oui, mais pas tout de suite. On est si bien ici, au calme, à se reposer. Bah, on peut y aller sans vous, dans ce cas. Enfin, si vous êtes d'accord. Oui, et de toute façon, là-bas, il y a mes parents. Oui, mais la piscine est de l'autre côté de la route. Je vous promets de faire attention pour traverser. On marchera dans l'herbe jusqu'au passage réservé aux piétons. C'est tranquille par ici. Et en plus, on peut les voir du chemin. Dans ce cas, c'est d'accord. On vous rejoint dans un moment. Ouais, ouais. On va prendre le ballon. Luffy voudrait bien venir aussi. Ah non, la piscine, ça n'est pas fait pour les animaux. Oh, vous parlez d'un réveil en douceur, vous? Oh, Célestin! Dis-moi, Lucas, t'as quand même pas l'intention de me tenir comme ça toute l'après-midi? Non, mais maintenant il faut que je retrouve ma vraie serviette. Où va la piscine retrouver mes parents? Excellente idée, je vais vous faire une démonstration de brasse coulée. N'oublie pas ton maillot alors. Qu'est-ce que vous en dites? Les enfants, je compte sur vous pour ne pas faire les fous sur la route. Attention, je vous surveille. Promis juré. Oh, mais j'y pense, il y a le petit tronçon de route à traverser. On peut y aller. Hé, hey, stop. Quoi encore, Célestin? T'as vu un ovni? Oh, c'est très drôle ça, monsieur Lucas. Dis-moi plutôt de quel côté vous devez marcher quand il n'y a pas de trottoir. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je sais seulement qu'il faut marcher de l'autre côté de la ligne blanche. Très juste, mais de quel côté de la route? Bah d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hé, mais ça va pas, Célestin? Mince alors, je n'avais même pas vu la voiture. Elle aurait presque pu nous frôler. Pire, elle aurait même pu vous heurter. Oh là là, on l'a échappé belle alors. Oui, moi j'ai compris maintenant. On doit toujours voir les voitures arriver sur nous. Tu as raison, Célestin. Il est important de savoir de quel côté de la route il faut marcher. Alors d'après vous, on marche de quel côté quand on est piéton sur une route sans trottoir? À gauche. Exact. Et il faut aussi avancer l'un derrière l'autre pour éviter de marcher sur la route. Souviens-toi, quand il n'y a pas de trottoir, tu dois toujours marcher du côté gauche de la chaussée. Ainsi, tu verras les voitures arriver.